banane. Purée de banane. Banane. Purée de banane. Banane. Je te parie des mouches qui mangent les bananes. Moi, je suis sûr qu'il va craquer pour la purée de banane. Paritonné. Miguel a envie de manger banane. Mais Miguel a envie de purée de banane. Non, Miguel plus envie de manger banane. Non, 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 non. Miguel plus envie de purée banane. Non, banane. Non, purée. Non, banane. Non, purée. Vite, Miguel décidé. Purée, banane. Purée, banane. Miguel, réflexe. Banane. T'as pas de bol, Bob. Et on a tous les deux perdu. Pas de bol. Elle est bonne. Le devoir nous appelle, les amis. Les As de la jungle. Allez, tous. Bonne mission. Et hop. Alors, les amis, dites-moi ce qui vous amène dans le coin. On a besoin de vous, les As. On habite au pied de la montagne de la Dent de l'Aigle. Et il y a de la glace qui tombe du ciel. C'est le déluge, c'est la fin du monde. On se calme. De la glace qui tombe du ciel, ça s'appelle de la grêle. Et ça, vous appelez ça de la grêle? Ah, ok, là, il y a un problème. Ouais, si ces blocs de glace continuent à nous tomber dessus, on va se faire écrabouiller, congeler, réduire en bouillie. Ouais, et puis on va s'enrhumer. Non, oh, un rhume des microbes. Oh, c'est terrible, ça. On peut pas les laisser comme ça, Maurice. On va résoudre ce mystère, les amis. Comptez sur nous. Allez, en route. Ça fait une trotte quand même. Il fait pas chaud chez vous? Il y a un glacier en haut de la montagne de la Dent de l'Aigle. Mais pourquoi ces blocs de glace dévalent jusqu'ici? Cherchons des indices. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, pauvre petite banane toute congelée. Miguel va te réchauffer. Banane glacée trop bonne. Tiens, tiens, bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce tuyau qui vibre? Vite, il faut se mettre à l'abri. Mais qu'est-ce qui peut bien provoquer ça? Je ne sais pas encore, Patricia, mais ce tuyau bizarre a vibré juste avant la chute de la glace. Et si on le suit, il va sûrement nous mener à l'origine de ce phénomène. Bon, vous les amis, vous restez ici. Nous, on va suivre ce tuyau. De la jungle. Ça vous tente un petit lait de coco bien frais? Pas le temps, Ernest. Il se passe quelque chose de bizarre au pied de la montagne. Les habitants ont failli être écrabouillés par des blocs de glace et on dirait que la réponse à cette énigme se trouve dans votre village. Mais écrabouillés par des blocs de glace? Oh là là! Mais c'est terrible cette histoire! Je vais aller me faire un petit lait de coco bien frais, ça va me détendre. Oh, ça va mieux. Je suis plus détendu. Mais c'est une de tes inventions, Ernest? Ce serait pas à cause de ça qu'il pleut des blocs de glace? Mais non, c'est juste une invention pour faire des glaçons. C'est pour le lait de coco. C'est meilleur quand c'est bien frais, le lait de coco. Docteur Poulet, grand génie. Grâce à Docteur Poulet, Miguel goûtait glacer la banane. Tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette nouvelle invention? Eh bien, j'ai appelé ce système le glaçonator. C'est très simple. Quand j'appuie sur ce bouton, ça envoie une vibration le long de ce tuyau qui part tout en haut de la montagne. Et là, la vibration déclenche un pic à glace mécanique qui casse un petit morceau du glacier. Le petit glaçon tombe dans un entonnoir et hop, il revient jusqu'ici par le tuyau. Dans mon verre. Un pic à glace? Je comprends d'où vient le problème. Là-bas, regardez! Le glaçonnator a créé d'énormes fissures dans la glace! Oh, mais c'est pas ma faute! Bah si, un petit peu quand même! Bon, au boulot les amis! On va devoir réparer ce glacier! Ça y est, on a trouvé d'où vient le problème! Il y a des fissures dans le glacier! Ah, oui, d'accord, c'est un peu ma faute! Pardon! Bah, plus la peine de vous inquiéter, on a trouvé une solution finalement! On a fabriqué des maisons pour se mettre à l'abri. Une en feuille, une en bois et une en pierre.
pas, finalement. On va y aller. Tout est ma faute. Tout est ma faute. En route, les As. On grimpe. Ce verglas a l'air très glissant. Le moindre faux pas peut nous envoyer dans le précipice. Laissez-moi passer devant. Ok, on va avoir un problème. Pour faire fondre ce verglas, on va le recouvrir de sel, les amis. Patricia, pouvez-vous aller chercher une fiole dans mon laboratoire, s'il vous plaît? J'y vole! J'ai le sel, Gilbert! Parfait, Patricia! Le sel va faire fondre la glace. Il suffit de le verser sur le pont. Je m'en charge! Bonne idée, le sel, Gilbert! Merci, Maurice! Ah! Oh, pas de bol, ce bloc nous bloque! Il faut qu'on grimpe! Là, des branches, des silex, on a de quoi se fabriquer du matériel d'escalade! Allez, dépêchons-nous! Gilbert, tu montes avec Patricia. Junior, avec Miguel. Grimpez, grimpez, grimpez. Voilà. Patricia, va voir les dégâts causés par ce glaçonnator. D'accord, Maurice. Ah, tout le glacier tremble. Il est plein d'énormes fissures. Tout va s'effondrer. Ne paniquez pas, Patricia. Je vais trouver une solution et on va s'en sortir. Non, mais je panique pas. Moi, de toute façon, je vole. Alors, c'est pour vous que je m'inquiète. Alors, c'est quoi ton plan, Gilbert? Il nous faut colmater les fissures du glacier. Mais pour ça, il nous faudrait pouvoir fabriquer de la glace instantanément. Junior dit qu'il aimerait bien que ce soit de la glace au chocolat, Gilbert. Non, à la banane. Souris grognon, faire bonne glace à la banane. Oh, non mais écoutez-moi à la fin, s'il vous plaît. Bon, on va fabriquer un refroidisseur. Vous vous souvenez que quand on mélange le sel avec de la glace fond, mais surtout, sa température descend en dessous de zéro. On peut ainsi atteindre une température de moins 20 degrés. Grâce à ce froid intense, on pourra fabriquer de la glace instantanément et colmater les fissures du glacier. Il suffira de faire passer de l'eau non salée à travers ce refroidisseur. Maurice, Junior, il ne reste plus qu'à essayer notre invention. Tout est rebouché. Maurice, il en reste une énorme à la base du glacier. Tout va s'effondrer. Oh non, comment on va l'atteindre? Miguel, casse le glaçonnator et envoie-nous une planche. D'accord, monsieur Maurice. Tapez, tapez, tapez. Ah! En piste, Junior. On est suivi. Ça fait froid dans le dos. Accroche-toi, fiston. Et hop. Ça, c'est bien joué. On a eu chaud. Mission accomplie, les amis. Le glacier ne risque plus de s'effondrer. On l'a réparé et on a détruit le glaçonnator. Vous n'avez plus rien à craindre. Ouais, vive les âges de la jungle. Quelle invention fascinante. Est-ce que ça peut servir à rafraîchir le lait de coco? Non, docteur Poulet. Machine pour faire glacer les bananes.
Oh, c'est super, encore, encore. Ça marche bien. Miguel et Petit Tigre ont fait une duesse de Dr. Poulet. J'ai froid.